Les gars, on attend nos princesses. Ce sont nos princesses. Les vôtres? Calmez-vous, les filles nous ont choisis, nous. Vous n'avez pas encore compris, hein? Pourquoi vous traînez encore autour de notre école? Bon, les gars, allons-y. Les filles les ont vraiment choisies. On n'ira nulle part, on attend les filles. On n'abandonnera pas facilement. Si ça vous amuse, alors restez là, bande de cons. Bande de cons? Vous nous traitez de cons? C'est vous les cons. Alors Dima, tu m'emmèneras faire un tour après l'école? Salade, bien sûr que oui. Tout le monde nous regarde, c'est tellement cool d'arriver en moto. Salade, ne te vante pas, c'est pas bien. Kostia, t'es tellement naïf, c'est cool d'être envié. Ne te dispute pas avec ma copine, s'il te plaît. Pourquoi elle se comporte comme une frimeuse? Kostia, laisse-la tranquille. Ça suffit, hein. Vous voulez vous battre, hein? Eh bien, on vous attend. Dégagez le passage. Je vais récupérer Knopa, tu verras. Et moi, Diana, et Nastia sera avec moi. On verra bien. Essayez, vous n'y arriverez pas. Les bénis sont les meilleurs, les bénis vont tout gagner. Écoutez-nous bien, les gars. Dégagez de notre tapis. Est-ce que vous vous souvenez des moments qu'on a passés ici? Bros, ça c'est du passé. Vous n'allez plus vous asseoir sur notre tapis avec vos pantalons couverts de saleté. Hey hey! Ma famille et moi adorons les animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de sauver ce zoo abandonné. Télécharge notre jeu pour t'occuper de tous ces animaux et participe à la construction du meilleur zoo au monde. Retrouve-moi dans le jeu. Zouza, mais de quoi tu parles? Je viens tout juste de le laver. Bon Patrick, allez viens, ces filles ont la grosse tête. Merde Zouza, on n'a pas été trop dur. Relax! Allez les filles, étirez-vous mieux que ça. On doit être souple pour la compétition. Mais ça fait une heure qu'on s'étire. Tais-toi et fais ce que dit Blondie. Tu veux tout faire foirer? Roméo, hein, qu'est-ce qui te tracasse, hein? Tu peux me le dire, hein? Je suis amoureux de Diana. Ouais, j'ai entendu ça, hein? Mais elle t'ignore, hein? Et en plus de ça, ses amis m'appellent Beignet. Non, mais je suis pas un beignet. Roméo, hein, arrête de lui courir après, hein? Et tu verras, elle agira différemment, hein? Tu crois? Alors, Roméo, arrête de courir après Diana. Arrête, arrête. Roméo, hein, t'es intelligent, hein. Diana viendra vers toi. Elles sont là. Ah, les rebelles sont là. C'est l'heure. Galia, on doit vraiment leur ouvrir la porte et faire comme si on était leur servante? Diana, tu veux être une rebelle, oui ou non? Je le veux. Mais Lialia, là, c'est vraiment trop pour moi. Parfois, il faut savoir dépasser ses limites. Bonjour les copines. Diana? Les filles, vous sentez tellement bon. Les rats, là, c'en est trop. On a beau être les rebelles, on n'aime pas être servis. Lialia, je peux ouvrir et fermer la porte moi-même. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Diana, mais c'est juste un geste d'amitié. Non, Lialia, c'est de la lèche. Merde les gars! On aurait dû leur ouvrir la porte! On n'est pas arrivé à temps! Heureusement que ces types n'y ont pas pensé non plus, hein! Les gars, de quoi ai-je l'air? Très bien! Waouh, elle est tellement belle, Knopa! Et Diana, une bombe! Alors, les filles, nous sommes des rebelles? Bien sûr, nous sommes amies! Non, les filles! Attendez, je vous l'ai dit hier! Pour être des rebelles, vous devez passer une initiation! J'espère que vous la ferez! Vous êtes prêtes? Vous devez marcher dans la cour de l'école en maillot de bain! Écoutez, vous ne trouvez pas que cette initiation est un peu cruelle? On n'aurait jamais osé vous faire ça. À vous de voir. On va réfléchir. Qu'est-ce que vous regardez? Les filles, vous pensez qu'elles vont réussir l'initiation? Les garçons, salut! Salut! Merde, j'en ai marre de ce smile! Ryan, les rebelles sont là, je dois y aller. Où ça, hein? Leur commander un truc? Pauvre garçon, hein? Il souffre, faut que je parle à Diana, hein? Donc, 50 gobelets en plastique. On doit commander des gobelets en plastique, hein? Encore 20 pailles. Ok, des gobelets et des pailles, hein? Et les couverts, hein? Regarde, tous les couverts en plastique ont disparu. Ils vont bientôt manger avec leurs mains. Ice, vite, 4 chocolats chauds, s'il te plaît. Roméo, pourquoi tu cours? On n'est pas encore ouvert. On fait notre inventaire, hein. On sera ouvert que dans une heure. C'est une urgence, je vous paie le double. 4 chocolats chauds. Le double. Ok, pizza, fais-lui ces 4 chocolats chauds, hein. Ok. Plus vite, s'il te plaît, plus vite, elles arrivent. Les filles, salut. Salut, mascotte. Je sais ce que nous devons faire. Nous devons intégrer cette école. Je suis prêt. Moi aussi. Je vais supplier mon père et ma mère. Bonjour les frogs. Bonjour les perdants. Regarde, Smile. J'adorerais prendre une photo sur cette moto noire. Ah oui, nous aussi. Elles n'en font pas trop, non? Prendre une photo sur une moto? Moi aussi, je veux. Oui, elles en font trop. Si tu en veux une, tu en auras une. Salut les gars.
Salut. Dis, Dima, est-ce que mon bébé peut prendre une photo sur ta moto? Non, elle ne peut pas. La ferme Salade, est-ce qu'elle peut prendre une photo? Je lui ai promis. Demande à Salade. Écoute, je conduis cette moto noire. Je suis la seule à prendre des photos dessus. Alors dis à Diana d'oublier ça. Ok, et sur la tienne, Kostia? Ok, pas de problème. Laisse-la prendre sa photo. Là non plus, elle ne peut pas. Merde, Salade. Kostia, merci. Smile, Salade est contre. Et c'est la petite amie de mon ami. Donc je ne peux pas. C'est nul. Smile, vas-y, prends-moi en photo. Diana, tu vois, ils ne veulent pas. Et Dima? Ils ont tous dit non. Les salauds. Non, Lialia, non, je ne peux pas. Yana, tu peux, allez. Non, mets ce maillot de bain et promène-toi dans la cour de l'école. Mais sans moi. On va passer pour des mauviettes si on ne réussit pas cette initiation. Et on ne sera pas des rebelles. Non, Lialia, nous le ferons. Mais d'abord, ce sont elles qui doivent porter ces maillots de bain dans la cour de l'école. Et ensuite, nous le ferons. Comme ça, on sera quittes. Tu sais quoi? Tu n'es pas Zara. Tu es une souris trouillarde. On va rater cette chance à cause de toi. Une souris trouillarde? Non, Lialia. Prends ce maillot et va te promener dans la cour de l'école. Je ne veux pas m'humilier devant tout le monde. Compris? Yana, ce n'est pas une humiliation. C'est une initiation. On ne pourra pas être des rebelles à cause de toi. Merde, mais pourquoi? Je suis choquée. C'est vraiment nul de m'avoir refusé de prendre une photo sur leur moto. Bébé, j'achèterai une moto et tu pourras prendre plein de photos. D'accord. Les rebelles, des chocolats chauds pour vous. Oh, merci, Roméo. C'est très gentil. Bye. Mais on ne boit plus de chocolat chaud. On est au régime. Roméo, t'es très gentil. Désolée. Roméo, la prochaine fois, apporte du thé vert. Mais vous aimez le chocolat. Roméo, c'est pour nous? Merci. T'es tellement gentil. Y a pas de quoi. Du chocolat. Juste un demi-verre et pas plus. Ok. Les gars, vous êtes cinglés. Vous vouliez vraiment laisser Diana faire des photos sur vos motos? Mais vous jouez à quoi? En fait, je ne voulais pas vraiment la lui prêter. Moi, je ne suis pas désolé. Ah, tu ne l'es pas? Patrick, les filles m'énervent. À moi aussi. Les perdants, vous laisseriez votre moto aux rebelles pour prendre une photo? Non. Vous avez entendu, les gars? Même les perdants ne prêteraient pas leur moto aux rebelles. Vous êtes trop gentils. Ok, on a compris, Salade. Brose, je ne veux plus courir après Zouza. Je ne courrai plus après Groucha. Elles nous ont même viré tout à l'heure. Brose, peut-être qu'elles ont des petits amis. Oui, c'est possible. Très bien, les gars. On va aller voir les rebelles et vous allez leur dire de ne plus jamais rien vous demander. Salade, c'est pas nécessaire. Ça suffit, on leur a déjà dit non. C'est nécessaire. Zouza, je suis tellement inquiète. Chut. Groucha et Zouza, vous vous sentez bien? Vous n'avez pas honte de nous avoir virés de votre tapis? Non, pas du tout. C'est vous qui devriez avoir honte. Les gars, maintenant, nous devons nous changer. C'est compris, hein. On sort. Écoutez les filles, on peut vous demander quelque chose? Oui. Alors les filles, pouvez-vous demander à vos ex-petits copains de ne plus venir dans notre école? Attendez les gars, vous voulez que nous, on leur demande? Je ne vais rien demander du tout à Guéra. On risquerait de se remettre ensemble. Nastia! Ben quoi, j'ai pas encore de petite amie. Les gars, c'est à vous de vous en occuper. Mais pas nous, Max. Allez les gars, allons les trouver. On va régler ça, allons-y. Mais les gars, ne touchez pas à mon Guéra. Nastia, mais tu es sérieuse? Oui, Diana, je suis sérieuse parce que je n'ai pas de petite amie basketteur. On devrait s'en charger. Nos ex perturbent notre relation avec les basketteurs. Laisse tomber, allons nous changer. Je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore déprimé. Oncle Mike, ne t'en fais pas. Non, Roméo, ça me concerne. Que s'est-il passé? C'est l'amour à sens unique, oncle Mike. Oh, Roméo, encore toi et ton amour. Merde, le professeur Mike est en train de moraliser Roméo. Pauvre garçon, j'imagine que c'est dur pour lui d'étudier dans une école où son oncle est professeur. Je suis d'accord, les filles, c'est nul. Les filles, allons voir le professeur Mike pour le distraire et consoler Roméo. Ok, allons-y, les filles. Professeur Mike. Oui, les filles. Professeur Mike, on a eu quelle note au test? Nous sommes vraiment très inquiètes. Pourriez-vous me poser ces questions en classe, hein, mais pas au café? Je me demandais si vous aviez déjà corrigé mon carnet. Et le mien, vous l'avez déjà vérifié? Ok, les filles, je vais vous dire. Bon, Zenia a eu 93. Et Sophie a eu 96. Merci, professeur Mike. De rien, les filles. Roméo, Roméo. Dites-moi, les gars, je me demande, qu'est-ce que c'est? C'est un iPhone 11. Pourquoi?
quoi un iPhone 11 ? Salade, enfin ! Alors tu te l'es offert ? Pourquoi tu nous demandes ça ? Non, je devrais tenir l'iPhone 12. Dima, achète-le-moi et je le veux en blanc. J'ai mal à la tête. Écoute, Salade, tu veux quoi encore ? Je ne t'épouserai jamais, jamais. Dima, quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Les gars, pourquoi avoir manqué la séance d'aujourd'hui, hein ? C'était la répétition du mariage. Ryan, je ne sais pas si je veux épouser quelqu'un qui ne me fait pas de cadeau. Et je ne sais pas si je vais épouser une mendiante. Tu peux y aller. Ils ne vont plus répéter leur danse. La dispute est un renouveau pour l'amour. Je vous attends pour votre séance. Professeur Mike, écoutez ça. Yalia a failli se faire humilier à cause des rebelles. Pas une humiliation, une initiation. Appelle ça comme tu veux. Pour moi, c'est une humiliation. Oh, est-ce que j'ai le droit de déjeuner ? Professeur Mike, regardez, les rebelles voulaient qu'on se promène dans la cour de l'école en maillot de bain. Professeur Mike, il y en a à tout faux. Nous devions avoir une initiation, mais on l'a ratée à cause d'elle. Les filles, vraiment je me fiche de vos maillots de bain. Aïssa, fais-moi du thé et un gros hamburger. Ok, professeur Mike, vous voulez quel petit pain, noir ou blanc ? Le professeur Mike prend toujours du pain blanc. Wow, pizza, tu te souviens de tout, bravo. Professeur Mike, Yana, il ne t'aidera pas. Oh, Lera, salut. Pourquoi on ne vous a pas vu en maillot de bain dans la cour ? C'est déjà la fin de la journée. Vous ne voulez pas passer l'initiation ? Les rebelles, il y a un petit contretemps avec votre initiation. On veut que vous portiez d'abord vos maillots, et ensuite, on le fera. D'abord nous ? Les filles, ce n'est pas nous qui faisons l'initiation, c'est vous. Nous n'avons rien à prouver. Attendez, je comprends pas. Quelle initiation ? De quoi vous parlez ? Vous avez entendu ? Oh, quoi ? Les rats veulent être des rebelles ? Professeur Mike, les rats doivent faire une initiation pour être des rebelles. Leur mission est de marcher en maillot de bain dans toute l'école. Malheureusement, elles ont échoué. C'est pourquoi elles ne seront jamais des rebelles. Dommage. Vous savez quoi ? Allez vous faire foutre. Vous et votre initiation. Je ne le ferai pas. Les rebelles, donnez-moi jusqu'à demain. Demain, je serai dans la cour en maillot de bain. Yalia, tu vas te séparer de ta meilleure amie ? Ce n'est pas bien. Vous êtes les rats ? Je suis un rat, mais elle, c'est une souris trouillarde. Très bien, les filles. Réfléchissez-y et décidez-vous. Demain, c'est le dernier jour. À vous de voir. Pas vous, mais moi, espèce de souris trouillarde. 4 des verres, s'il vous plaît. Les gars, attendez. Vous pensez que les rats vont passer l'initiation ou pas ? Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Les filles, avec du lait ? Depuis quand on met du lait dans le thé vert ? Très bien, les filles. Réfléchissez-y et décidez-vous. Demain, c'est le dernier jour. À vous de voir. Vous savez quoi ? Allez vous faire voir, vous et votre initiation, initiation, initiation. Vous savez quoi ? Allez-y avec votre logement. Avec votre logement. D'accord, les filles, je ne pourrai pas le faire. Les filles, allons voir le